Après Palais Justice, EDH, c'est deuxième institution dans l'administration publique là. Premier ministre Joseph Jout visité sous bicentenaire. Visite ça d'après numéro 1 Primatia, fait dans objectif pour rencontrer et puis discuter avec différents cadres dans l'institution ça. Sous problème qui la cause, EDH pas qu'à répondre à obligation et puis partager avec responsable ensemble disposition qui prend pour permettre l'institution à fonctionner normalement. Abdi, PM, non, merci tout parce que jodia, bien que c'est la circonstance ça, li visite nous la Fédération syndicat EDH là. Courant, pas de monde qui ka vivre sans courant. Bien que gon rationnement et par rapport à groupe nous qui endommagé, par rapport à injecteur nous qui crase, par rapport à fromage ou EDH THC dans le secteur. Donc, nous dit clients, nous garder, nous vivre, nous avons un redressement à faire et population pour l'en face EDH, emploi EDH. Nous-mêmes, nous pas responsables. Pour EDH, gagner déjà une négociation qui fait avec la Turquie pour y porter des barges, lui-même, lui connaît de qui ça m'a parlé, pour nous commencer par le courant. En attendant que nous travaillons pour nous augmenter les capacités de production. Il y a une réparation en urgence, tout, parce que le président a parlé de ça, de centrales électriques qui, au cap, pièces de rechange, ils ont commandé déjà et il y a privé semaine prochaine. Avait dit, il faut qu'on prenne patience. Il y a pour construire tout, une centrale de 60 MW Carrefour. Si nous regardons, nous avons des déclarations d'utilité publique que l'État déclare des terres. C'est pour ça. Il y a pour construire tout une nouvelle centrale de 180 MW qui a marché avec gaz naturel. Il y a construit tout des centrales en province, 25 MW dans le Cap Haïtien, 25 MW Gonaïve. Processus passation de marché, il y a en cours déjà. Toujours dans l'idée pour permettre EDH continuer produire et puis bail citoyens au courant, l'État haïtien, à travers l'électricité d'Haïti, a bien pour produire 115 MW courant avec énergie solaire là. Gagne tout plan pour augmenter la capacité de production EDH avec ça les panneaux solaires, ça les énergies solaires photovoltaïques pour nous baisser le coût de production, comme ça tout, facture que nous allons payer, il y a meilleur marché tout. Gagne 50 MW sous Port-au-Prince, gagne 20 MW Gonaïve, 20 MW y a fait sous Cap-Haïtien, il y a fait 5 MW et Jérémy. Jacques Mélabien 10, Port de Paix 10, total c'est 115 MW n'a fait avec production et solaire photovoltaïque. En plus réhabilitation qu'a bien pour faire sous réseau EDH là, Premier ministre l'a expliqué puis bonne façon yo pral utiliser pour permettre réseau à bien gérer. Gen construction 60 km de ligne de haute tension que yo pral faire et puis y a réhabilité tout réseau d'Elmat. Gagné près 150 millions de dollars taïwanais que nous tendons. Normalement, il fait ordre de décaissement déjà. Pour est-ce qu'il a commencé le travail conjointement avec le syndicat, bien entendu, pour nous commencer la construction de 4 nouvelles sous-stations, rénovation tout de 9 sous-stations qui l'a déjà, mais qui a fonctionné mal. Commercialisation. Il a cherché un opérateur privé. Parce que si un problème EDH gagné, c'est que EDH produit courant, lui distribue courant, mais il va toucher pour lui. Pour permettre le travail, administration Moïse et puis gouvernement Jout la pral fait pour remettre l'institution ça sous des pieds, Premier ministre l'an fait connaître, l'a continué à rencontrer et puis discuter avec ensemble cadre qui fait partie de l'institution ça. Code pénal, c'est punition que le bail. Code pénal pas autorisé mariage. Bon confusion dans ça. Comme si ça passe dans le code civil, ils prennent, ils mettent dans le code pénal. Pourquoi nous parler déjà sur ça déjà? Le code pénal qui fait là, il n'est pas applicable immédiatement. Il y a 2 ans pour nous tendre, pour nous tendre des bruits tout le monde, pour nous tendre des contestations tout le monde, pour nous ajuster le code pénal là, parce que là prend 24 mois à partir de la date que le publié pour nous mettre en œuvre. Après dit, cette discussion qui commençait. Le gouvernement était très ouvert. Moi, j'ai rencontré plusieurs secteurs déjà. Je continue à rencontrer. Il y a une réaction qui fait ni dans la télévision, ni dans la radio, ni sous le journal, ni
et sur les réseaux sociaux. Nous continuons à discuter. Nous avons 2 ans pour nous faire ça. 2 ans, ça veut dire que ce n'est pas figé. Le code pénal, ce n'est pas tant que nous avons produit une preuve. Nous n'avons pas appliqué. Non. Nous avons de tout le monde qui a parlé autour de lui, discussion, critique. Et si nous avons pour nous changer, nous avons changé. Le conseil électoral là, qui démissionnait en bloc. Je déplore ça. Mais c'est une page tournée. Je regrette que. Il y a un pile dans mon bio, je connais ça au vaut. Par exemple, si je me permets, je vais citer non, un seul monde là-dedans, et le président du conseil électoral provisoire, c'est un monde que je connais qui a boumé depuis 83. Son lutteur avait dit, le fait que le conseil a démissionné en bloc, M. Léopold Bélanger n'a pas suspendu de lutter pour la démocratie dans le pays d'Haïti. Je suis sûr qu'il a continué de travailler, parce qu'il fait plusieurs institutions déjà. Si je me souviens, tu as IREP, tu as CNO, il est toujours dans l'élection. Avait dit, moi-même, m'attends que le secteur yo réagi officiellement pour nous remonter au conseil électoral, là, pour discussion politique, continuer. Parce que l'élection, elle est faite pour compétiteurs, elle est faite pour leaders politiques. Yo. Parce que toute lutte nous a gagné, c'est une lutte pour prendre pouvoir. On nous fait politique pour prendre pouvoir. Vous ne pas faire politique parce que vous êtes belle garçon, vous êtes belle petite fille. Non. Vous faites politique pour prendre pouvoir. Et toute lutte nous est, c'est la prise du pouvoir, c'est lui-même. C'est là tout le monde va aller. Ça veut dire, comme c'est compétition est faite pour compétiteurs, mais le conseil électoral là, c'est un gros mot sur la donne qui pour continuer le travail et lancer la compétition pour le faire. Mais nous travaillons pour nous remonter. J'ai l'avantage de procéder aujourd'hui à l'intronisation de M. Michel Présumé, ingénieur, comme nouveau directeur général de l'électricité d'Haïti, nommé par arrêté présidentiel en lieu et place de l'ingénieur Nicolas Hervé Pierre-Louis. Je voudrais débuter mon propos des circonstances en saluant le passage de l'ingénieur Pierre-Louis à la tête de la compagnie d'État d'énergie électrique. Il a su cette faire œuvre qui vaille dans la gestion d'une institution à fonctionnement aussi difficile que l'EDH. Toutefois, les grandes décisions sont parfois commandées par les conjonctures. Au nom du chef de l'État, en celui du gouvernement et en mien propre, je dis merci à l'ingénieur Pierre-Louis pour avoir su diriger l'EDH dans des conditions difficiles. À l'instar de tous les cadres compétents et patriote, il est désormais en réserve de la République qui aura certainement besoin de ses services en temps et lieu. Ingénieur Michel Présumé, compte tenu de la délicatesse de ce poste, si les choix du chef de l'État se portent sur vous, il faut croire que votre compétence, votre multiple expérience, votre sens du sérieux et la rigueur qui caractérise vos actions dans vos fonctions antérieures ont milité en votre faveur. Il faut en effet un cocktail de toutes ces qualités pour mener à bien la mission qui vous est confiée. L'EDH souffre de tous les maux en ce moment. Outre les rationnements drastiques de l'énergie, la clientèle, en grande majorité, ne paie pas le service. Autant dire que vous avez la mission
non seulement d'améliorer le service, mais aussi de travailler à sa rentabilisation. Mon travail à moi, et je dois le dire pour préciser pour tout le monde, et c'est ça qui est le plus important, n'est-ce pas? C'est que je n'ai pas le mandat de privatiser l'EDH. Premier point. Deuxième point, je ne viens pas pour faire la chasse aux sorcières. Troisième point, qui est en corollaire du deuxième, c'est que on peut absolument rien faire dans l'indiscipline, dans le désordre. Si nous sommes une compagnie, nous devons travailler pour le bien de la compagnie. Pourquoi? Parce que quand on travaille et que la compagnie prospère, c'est tout le monde qui prospère. C'est tous les cadres qui sont fiers et qui en bénéficient. Mais si nous travaillons pour nous-mêmes, la compagnie va perdre et tout le monde va perdre. Donc je crois que l'idée aujourd'hui, après toutes les conversations que nous avons eues, et je remercie le président de la République qui m'a bien expliqué sa vision, ce qu'il veut faire, et je lui ai dit aussi mes propres préoccupations, je lui ai dit aussi les obstacles, etc. Et nous avons convenu d'aborder le problème de manière à changer ensemble la culture de cette campagne. Le conseil électoral là qui démissionnait en bloc, moi déplorer ça. Mais c'est une page tournée. Je regrette que j'ai un pile dans mon bio, je compte ça au vaut. Par exemple, si je peux permettre, je cite non, il y a un seul monde là-dedans, et le président du Conseil électoral provisoire, c'est un monde que je connais qui a goûté depuis 83. Son lutteur avait dit le fait que le Conseil a démissionné en bloc, M. Léopold Bélanger, pas suspendre lutter pour la démocratie dans le pays d'Haïti. Je suis sûr que la continue de travailler. Parce que lui fait plusieurs institutions déjà. Si je me souviens, il y a un IREP, il y a un CNO. Il est toujours dans l'élection. Avait dit, moi-même, m'attends que le secteur yo réagit officiellement pour nous remonter au conseil électoral là, pour discussion politique, continuer. Parce que l'élection, il est faite pour les compétiteurs, il est faite pour les leaders politiques. Parce que toute lutte nous est gagnée, c'est une lutte pour prendre pouvoir. On nous fait politique pour prendre pouvoir. Pour pas faire politique parce qu'on sont belles petits garçons, sont belles petites filles. Non. On fait politique pour prendre pouvoir. Et toute lutte nous est, c'est la prise du pouvoir, c'est lui-même. C'est là tout le monde va aller. On veut dire, comme c'est compétition est faite pour compétiteurs, mais le conseil électoral là, c'est un gros mot sur la donne qui pour continuer le travail et lancer compétition pour le faire. Mais on a travaillé pour nous remonter.